la cantine ve mi gambolo. Ole 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 ole. Cop nation de mama Africa. Le groupe A aborde sa dernière journée des phases de poule dans un contexte compliqué pour toutes les équipes. En effet, aucune équipe n'est encore assurée de sa qualification bien que le Gabon et le Congo partent avec un avantage. Ce dimanche 25 janvier, les rencontres Gabon-Guinée équatoriale et Congo-Burkina Faso permettront de savoir les deux équipes du groupe A qualifiées pour les quarts de finale. Dans cette rencontre qui mettra en prise le Congo premier avec 4 points au Burkina Faso, dernier du groupe avec 1 point, tout reste possible jusqu'à l'ultime seconde du match car les deux équipes vont jouer leur match de survie en disposant du Gabon lors de la deuxième journée sur le score 2-0. Le Congo venait de remporter une première victoire en phase de la CAN depuis 1974. Quel que soit le résultat du match, cette équipe du Congo aura réussi sa CAN. Mais les coéquipiers de Prince Onyango, qui n'ont besoin que d'un point pour se qualifier, viendront avec l'envie de prendre les 3 points du match. Une victoire face aux étalons permettra aux Diables Rouges d'occuper définitivement la première place du groupe, très important pour les quarts de finale. Contrairement à l'équipe du Congo, les vice-champions d'Afrique en titre qui n'ont gagné qu'un seul point après 2 rencontres n'ont plus leur destin en main. Car pour espérer se qualifier, ils doivent impérativement battre le Congo et souhaiter une victoire de la Guinée équatoriale sur le Gabon. Un scénario qui s'annonce difficile, mais pas impossible au vu des nombreux renversements de situation qui se sont toujours déroulés dans l'histoire du football. L'attaque du Burkina Faso, la seule du tournoi à rester muette jusque-là, aura donc l'occasion de s'exprimer et de permettre à tout un peuple d'espérer encore. Ce sera peut-être le jour où la chance sourira à Alain Traoré qui a toujours vu ses multiples tentatives déviées de justesse. Tout porte à croire qu'on aura une belle affiche durant laquelle le suspense, les spectacles, mais aussi les déceptions seront au rendez-vous. Oh non, ne me tente pas, plonger la balle, ne me tente pas.